Des allocations chômage en même temps qu'ils travaillent pour des employeurs. Et qui prennent comunque des sussidi di disoccupazione lavorando contestualmente per delle imprese. Les intérimaires, par exemple, qui sont très employés dans l'automobile, le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie, le commerce, les services à la personne, sont aussi au nombre 600 000 à 1,2 million, selon le nombre d'heures, enfin, comment on veut les compter. Stiamo parlando sempre di 600 000 persone, 1,2 million, a seconda di quante categorie si voglia accogliere, ma stiamo parlando di ogni tipo di lavoratore, nel turismo, nella metalmeccanica, in tanti settori diversi. On pourrait dire, pour simplifier un peu ou résumer, que c'est une lutte qui porte sur l'articulation du salaire direct et du salaire social pour ce qui concerne l'ensemble des chômeurs et des travailleurs précaires, donc l'ensemble des salariés, puisqu'aujourd'hui tous les salariés connaissent des périodes de chômage. Tutti i lavoratori conoscono delle forme di disoccupazione e avrebbero bisogno di una dell'accesso a questi sussidi, quindi la lotta è molto più generalizzata.